Bonjour à tous et bienvenue dans le Temps d'un Kit. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du numéro 16 de la collection Alien de chez Hachette, construisez votre xénomorphe. Donc, présentation de ce numéro 16. Dans ce numéro, nous allons continuer le crâne et la jambe droite. Nous avons un article sur Shepperton Studio Mythique et le dernier article, l'influence d'Alien. Donc, voici les pièces que nous aurons dans ce numéro. Et on peut voir ce que nous aurons dans le numéro 17. Donc, je vais faire un gros plan pour qu'on voit mieux. Et donc, on peut voir que dans le prochain numéro, nous allons continuer la jambe droite. Donc, notre guide de montage. Le résultat final à l'issue de ce numéro 16. Ensuite, premier article Shepperton Studio Mythique pour Films de Légende. La saga Alien, le saviez-vous, Ridley Scott et Shepperton. Article suivant, l'empreinte d'Alien sur la science-fiction. Et l'article dans l'espace, que mange-t-on dans l'espace. Et c'est tout pour ce numéro 16. Donc, dans ce numéro, nous avons la deuxième partie du tibia droit. Nous avons le tuyau du crâne 16-2. L'intérieur, c'est qui est R8. Nous avons donc ensuite le 16-3 avec écrit R9 et donc le R10, un autre tuyau, le 16-4. Nous avons également nos aimants et nous avons deux vis. Donc première étape, nous allons récupérer notre tuyau qui va venir se positionner sur toute cette partie-ci. On voit qu'il y a des creux qui sont dessinés. On a donc les languettes qui sont prévues et on voit ici de chaque côté on a un trou qui a été préparé qui va venir ici. On a un petit ergot de chaque côté, donc il va nous rester juste à venir comme ceci, tout emboîté correctement. Voilà, donc ici c'est bon. À ce côté, vérifier, c'est bon. Ça a l'air de se toucher les deux côtés. Donc on va pouvoir passer au collage. Donc voilà le résultat vu de devant, côté gauche, et voici le résultat côté droit. Allez, on passe à la suite. Donc étape suivante, on a besoin
de la partie supérieure de notre tête. On va venir la positionner comme ceci. Et nous, on va venir placer notre première série de tuyaux ici. Et donc pour ce côté-là, il nous faudra le R9. Donc on peut enlever le petit numéro. On va vérifier le sens de montage. C'est dans ce sens-là. Donc il n'y a plus qu'à mettre une petite pointe de colle et ce sera bon. Et voilà qui est fait. On va laisser sécher et on va faire l'autre côté. Donc voici l'autre côté. Donc, de ce côté-ci, c'est sec. On va faire pareil. Donc on reprend notre pièce avec marqué R10. On va pouvoir enlever le petit numéro. On va vérifier que tout se positionne correctement. Ça a l'air d'être OK. Donc, il n'y a plus qu'à mettre un peu de colle. Et voilà le résultat une fois qu'on a mis nos tuyaux des deux côtés. Allez, on passe à la suite. Donc, étape suivante, on va récupérer la pièce qu'on avait commencé dans le numéro 15. On récupère la pièce qu'on a eue dans ce numéro. On va venir les réunir comme ceci. Et on va maintenir l'ensemble avec une vis. Et voilà le résultat. Allez, on passe à la suite. Donc, prochaine étape, on va venir récupérer notre peau du numéro 14. On va venir la positionner comme ceci. Ensuite, on récupère notre pièce que nous avons montée à l'instant. Et on va venir la positionner comme ceci. On s'aperçoit qu'il y a des fentes ici, ici et ici, et une ici, un emplacement ici. Par contre, c'est pas une fente, mais c'est un emplacement pour l'aimant, et c'est ici qu'on va venir mettre nos aimants. Allez, c'est parti. Donc, le début du placement des aimants. Alors, pour être sûr de les placer correctement, on s'approche, on teste, on va voir quand il se repousse et quand il s'attire. Donc là, on est bon.
bien collé. Hein. Donc ici, tac. On va y mettre un petit peu de colle ici. Et après, on passera aux autres. Et c'est tout pour ce numéro 16. Et voilà qui conclut ce numéro 16. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on pense à s'abonner, à liker, à partager. Et je vous dis pour ma part à très bientôt pour la suite de cette collection Alien de chez Hachette. Et également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut !